Ma mère patinait quand elle était jeune, puis dès l'âge de 5 ans, elle m'a mis sur la glace et dès le premier moment, j'ai adoré. Alors, me voici aujourd'hui. And for me, my brother and I both did hockey, and then we both started doing figure skating to get better at basic skating skills, and then we ended up liking it more. We're both pretty small, so it was, I think, the right choice. Ce que j'aime beaucoup du patinage artistique, c'est que c'est un sport vraiment complet. Il y a autant le côté physique, mental qu'artistique. Et ça permet vraiment de s'exprimer dans toutes les facettes qu'on peut retrouver dans un sport. Yeah, and for me, it's super challenging. Like, every day is different, and you can really just keep improving every single thing you do, which is always exciting. Programme court cette année, on a choisi une musique plus électro, tango, mais pas classique. En fait, on essayait de faire un tango qui est moins sérieux, quelque chose de plus intéressant pour le public et de différent. And for the free this year, we're going a little more mature, a little more sensual. So we're kind of going away from what we did last year and. We're doing a selection of the weekend with like a 50 Shades of Grey inspired theme. La saison dernière, c'est vraiment une saison où on n'aurait pas pu espérer mieux avec les quatre continents et les championnats du monde. Cette année, on a mis nos objectifs encore plus haut. On veut atteindre le podium à nos grands prix et encore faire l'équipe des quatre continents, des mondiaux, peut-être même Team Trophy. Ça a été beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, pas seulement pour moi, mais pour la famille et les entraîneurs qui investissent tout leur temps et leur énergie. C'est sûr que le mot qui me vient en tête, c'est merci. Just a big thank you for constantly pushing me forward. And just every step of the way, if I would kind of stumble or fall, they'd always be there to help me get up. My mom, Liam, everyone involved in my skating, they've really just kept me going to where I am today.